matin, bon après-midi. J'espère que ça va bien. Mon nom est Ted Breeze et bienvenue sur mon vlog. Je vais un petit peu expliquer comment je veux fonctionner pour le vlog. Donc celui-là, c'est vraiment la base 1. Et comment je veux essayer de faire pour les prochaines étapes et qu'est-ce que c'est en tant que tel. Dans le fond, on fait comme un journaling de ce qui va se passer sur plusieurs niveaux. Premièrement, ma santé. Je veux me remettre en forme. Mais ça, c'était a priori, là, donc ça, c'était pas un problème. Mais en plus de ça, on dit toujours un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Donc, forcément, je vais essayer de voir si le fait que je me remets en forme va influencer ma pratique et à quel niveau. Et je pense que ça va être profitable pour tout le monde. Pour ce qui est du vlog, comment que je fonctionne, en fait, c'est que je vais vous partager mes efforts, je vais vous partager mon poids, mes efforts physiques, mes exercices. Je vais vraiment vous mettre tout sur la table, mais aussi en même temps, on suit un livre, puis je dis on parce que je suis pas toute seule dans le vlog. Je dis on parce que mon copain va se joindre à nous, je vais vous donner plus de détails. Dans le fond, c'est que on suit le livre de, je pense que c'est Timothy Roderick, qui est 365 jours et une année et un jour de rituel. C'est Wicca. Pas une pratique que moi je pratique. Pas une pratique non plus que mon copain connaît. Parce que c'est un. Je dirais plus, il penche du côté sceptique. Donc, mais il se prête à l'activité. Donc, ce que je vais faire, comment que je fonctionne, c'est que toute la semaine, chaque jour, je fais mes exercices, mon compte rendu, mes améliorations personnelles et un petit retour sur comment moi je me sens. Et chaque jour, on suit une page, ouais, une page, une des journées dans le livre. Et moi et mon copain suivons l'espèce de rituel ou la technique et on se donne nos avis après. On n'a pas nécessairement une semaine cette semaine de compléter parce qu'on a décidé de commencer pour sa main, donc le 31. Dernier, donc ça nous fait une petite semaine courte. Il y a des données par contre que je vais vous montrer au niveau physique qui ont commencé avant. Mais ça, c'est comme une autre partie. Fait qu'il y a vraiment deux parties. Partie plus physique, on s'entraîne, qu'est-ce que ça donne, comment je me sens, et une partie qui est plus le côté rituel et comment le livre est perçu, tout ça. Je n'ai pas trouvé une version française au livre. Peut-être qu'il y en a en France, par exemple, je suis pas trop sûre, j'ai vu quelqu'un dans le site l'avoir utilisé. Mais c'est vraiment. Nous, c'est pas grave, l'anglais, c'est pas un problème, fait qu'on suit ça, puis on essaie, en tout cas, le plus possible. Et c'est intéressant parce que moi, ça fait des années que j'étudie le domaine, j'ai déjà eu de la pratique dans le passé, jamais Wiccan, et lui, zéro. Donc, c'est intéressant d'avoir les deux perspectives. Et il faut aussi considérer, puis on en a parlé, je vais en reparler plus tard, c'est que on est adulte. Des fois, je pense que le texte est un petit peu plus pour les jeunes, dans le sens où il y a des trucs que tu fais comme moi, c'est un peu logique, je comprends pas pourquoi il revient là-dessus. On va voir ça tantôt. Bienvenue, donc j'espère que c'est pas trop. Je vous lance ça. Avant d'aller dans les détails au niveau physique, donc la première partie du vlog, je vais vous mettre en situation. Donc, bon, j'ai toujours été en surplus de poids. Si vous me connaissez par le site, vous m'avez toujours vu avec la même shape, là, ça n'a pas changé. J'ai peut-être pris ou perdu, là, mais ça a été souvent la même chose. Donc, c'est une remise en soi. En plus, la semaine dernière, j'ai été diagnostiquée comme diabétique. Donc, j'essaie aussi, je dois prendre bon, du metformine, j'ai des médicaments à prendre. C'est un rebalancement. Je suis vraiment aux limites, là. Je suis pas avec l'insuline, rien, je suis un type 2. Donc, faut que je fasse attention, puis je m'en allais déjà vers là. Donc, génial. Dans le sens, c'est une mauvaise nouvelle, bonne nouvelle en même temps. Enfin, bref, ça va bien. mais je venais quand même à le dire parce que oui, le fait que je suis de la médication peut peut-être influencer les résultats un petit peu, mais je pense pas que ça fasse une grosse différence. Puis de toute façon, je pense que le vlog peut montrer que si on se donne un peu un coup de pied, on est capable de courir. sinon, comment je fonctionne au niveau des exercices, c'est que moi, je fonctionne avec un marcheur.
Donc, j'ai un Treadmill ProForm 2000. Je me suis acheté le kit iFit. Donc, c'est un soutien. Si jamais ça vous intéresse, je peux en parler davantage sur Discord. Mais en gros, c'est un système vidéo. Donc, il y a vraiment comme il y a un écran dans mon marcheur où je suis des entraînements avec des coachs. Généralement, si tu te promènes dans le monde, je me suis promenée en Égypte, les pyramides de Gizeh. Il y a trip parce qu'ils découvrent plein de choses, puis on apprend plein de trucs nouveaux qu'on. Tu sais, on n'est pas là-bas, fait qu'on sait pas tous les détails de ce qui se passe en recherche, tout ça. Et d'autres fois, je me promène, je suis dans des îles avec des sables et des beaches, là, des plages hallucinantes, là. Donc, je m'entraîne à partir de ça. Je vais vous montrer, par exemple, les premiers résultats de la semaine. Comme j'ai dit, j'ai un petit peu rallongé dans le sens où la semaine physique, moi j'ai commencé à m'entraîner avant qu'on commence les rituels. Fait que oui, normalement tout commence le mercredi, mais moi j'ai des données un petit peu plus loin. Fait que j'ai vraiment fait une semaine au niveau des résultats. On va transférer les résultats. Donc les résultats, donc oui, je faisais 160,5, j'étais un petit peu plus haut, donc j'ai vraiment baissé. Donc j'ai perdu 2,8 au niveau de la semaine, avec les exercices augmentés aussi. Donc, majoritairement, en ce moment, je fais des exercices de marche rapide avec des inclinaisons, parfois, parfois non. Et mon état, j'ai marqué sur 100, je dis, je suis à 40 la semaine passée, parce qu'avec le stress des cursus médicaux, les tests que j'ai su, puis la nouvelle médication, parce que là j'ai eu le choc de la nouvelle médication, je te dirais j'étais un 40. Cette semaine, je suis plus vers un 60, donc on voit que ça se balance un petit peu plus. Je suis pas 100%, je me balance. Donc c'est normal que je sois pas top-notch, puis ouais, en train de me lancer partout, mais ça vous donne une petite idée de ce qui se passe à ce niveau-là. Je reviens. Rebonjour. Pour ce qui est des rituels, donc on a commencé le rituel avec le jour 1 qui était à l'Halloween. Donc c'était une activité de méditation. Donc l'idée c'était de s'asseoir, de réfléchir avec les connexions qu'on avait avec la technologie, tout ça qui pouvait brimer les connexions qu'on a avec la nature. Il faisait vraiment froid. Et, mais vraiment froid l'Halloween. Évidemment, c'était une journée idéale pour commencer. Aussi la pire parce que l'activité en tant que telle, c'était d'aller s'asseoir proche d'un arbre et de prendre 10 minutes pour soi, de méditer en toute paix. Et il était tard. Le seul arbre dans ma cour est un peu utilisé par le chien. Donc, c'était pas vraiment une option. Ça criait beaucoup dehors. Il y avait plein de facteurs négatifs. Dans le livre, il y avait marqué si vous ne pouvez pas, pour X raisons, de juste modifier un petit peu l'activité. Fait l'espèce de t'entente qu'on a réussi à faire, c'était d'aller méditer dans la chambre, dos à dos, moi et mon copain, on s'est assis sur le lit, là, vraiment droit. Puis, on a mis le chien en cage juste pour être sûr qu'il ne vienne pas nous déranger pendant 10 minutes. Donc, parce que s'il se met à manger le. Une partie du salon, on n'en marchera pas plus. Là. Pour au moins nous aussi, on soit capable d'avoir un petit break et pouvoir méditer. On a eu la visite du chat, d'ailleurs. Le chat est venu se coucher entre nous deux, en tout cas sur le côté. Et on a fait notre méditation. Donc, on a réfléchi à c'est quoi qui brisait le contact. C'est une activité intéressante. Là, je lis des notes. C'est parce que y a des trucs que je vais oublier. Donc, j'ai parlé de la vague de froid, j'ai parlé que le chat nous a accompagnés dans nos visualisations. Puis, elle était en toute paix, c'était pas qu'elle est stressée normalement, là, mais elle était comme zen, zen, zen. Soit elle était vraiment contente de pas penser au chien, ça se peut aussi. Mais c'était bien. Donc, oui, on a eu des petits problèmes de logistique, je vous dirais. Mon copain est pas nécessairement pratiquant. Donc, c'est un sceptique, mais il utilise la méditation. Il y a deux, trois liens peut-être qu'on se rejoint un petit peu plus au niveau du spiritisme sur lesquels il va croire ou qui va être plus apte à suivre, mais autrement, c'est pas sa tasse de thé. Toutefois, cette activité-là, c'est la méditation. Fait que lui, de tomber en méditation, en relaxation, il voit des couleurs. Quand il tombe en méditation, il tombe vraiment en méditation. Lui, ça s'est bien passé, là. Jour 1, c'était bon.
Jour 2, donc il y avait une série de mots. Et je ne vais pas tout donner les activités en détail, mais je vais quand même résumer un petit peu. Donc, une série de mots, des mots qu'on voit souvent. La sorcellerie, Wicca, rituel, pouvoir. Puis c'était de réfléchir sur le mot, aller chercher qu'est-ce que la société pense du mot, comment on sent face à ce mot-là, est-ce qu'on a une émotion rattachée à ça. Faut penser aussi que j'ai l'impression que le livre s'adresse à quelqu'un qui est plus ou moins, connaît pas tant ce que c'est la sorcellerie, mais assez pour dire qu'il a choisi un livre de Wicca. Fait que je suis comme un peu. Je trouvais que c'est un peu basique personnellement. Je pense que mon copain, même chose. Mais c'est intéressant de faire l'activité parce que l'optique était vraiment différente entre moi et lui. Comme je dis, moi j'ai pratiqué. Il y a des trucs qui ont sorti que j'ai fait comme wow! Je m'attendais pas à ça. Mais c'était intéressant. C'était juste de réfléchir sur des mots. Au niveau de la troisième journée, on a été obligé de la pousser. Parce que on avait beaucoup, beaucoup trop à faire. Ça, c'était avant-hier. Donc, on n'arrivait pas dans notre temps. Fait qu'on a repoussé et on a été capable de repousser avec l'activité du jour même. Fait que des fois, ça fonctionne. Là, on était capable de le faire. Donc, on a brûlé des chandelles. Celui-là? Oui, on a brûlé des chandelles. On a pensé à qu'est-ce que l'évocation de tous ces mots-là faisait. On a inscrit ce mot, cette émotion-là ou ce mot-là que ça représentait. On avait vraiment deux résultats différents. C'était vraiment intéressant. Faites brûler une chandelle. J'ai filmé un petit peu, juste pour donner un petit temps. Mais je sais pas comment je vais faire pour l'inclure dans la vidéo ici. Fait que je vais peut-être l'envoyer sur le Discord directement. Fait que si jamais vous voulez voir, là, j'en ai un qui a, une, ça, il y a eu comme une tache ou de la poussière dans ma chandelle. Puis ça, c'est spécial à regarder, là, tout le mouvement de la chaleur. C'est plus scientifique que magique, par exemple, là. Mais c'était intéressant. Je pense que j'en ai parlé dans le stream aussi, un petit peu plus tôt aujourd'hui. Fait qu'on parle de comment on sent face à ça, comment on sent face à son premier rituel et tout. Et on est allé faire ce qu'on avait besoin de faire, parce qu'il y avait plusieurs étapes, là, ailleurs. Puis, on est revenu faire, on a continué là, pour faire l'activité 4. Dans mes notes, dont j'explique, bon, le rituel est quand même assez basique, c'est pas quelque chose de très poussé. C'est vraiment de se concentrer sur une émotion avec une chandelle qui, jusqu'à temps qu'elle se termine. Il y a eu beaucoup de décrochage de notre part. J'ai déjà un chien qui a beaucoup de vitalité. Et j'ai un chat qui était malade en plein milieu de nous qui se focussait. Mon copain, c'est un sceptique aussi. Fait que le niveau de concentration, il était là, mais mettons à demi. Donc, mais c'était bien. OK, c'était pas tant grave. C'est une petite activité simple. Ça monte. Puis j'ai expliqué aussi peut-être le côté patience. Quelque chose qu'on n'a pas. On est deux adultes qui ont une vie qui bouge. Ça se peut que parfois on soit dérangé. J'ai reçu des textos moi, pendant ce temps-là. J'ai plein de trucs qui ont été des actes dérangeants, mais. Le gros, je te dirais, avait été fait. C'est juste les chandelles, ils brûlaient pas très vite. Fait que c'est de la patience, je le sais. Mais c'est ça, le chien, il courait partout à un moment donné. Puis j'ai eu un moment où est-ce que, pouf, il a décidé là, que lui, c'était fini, il dormait. Le chat m'a fait il a vomi en spray dans le sous-sol. C'était merveilleux. C'était une soirée spéciale. Mais. En gros, c'était quand même bien, là. Après ça, bon, on a eu des questions. Parce que, vous le voyez pas, mais je dis, j'ai plein de notes de mes trucs, là. J'ai des notes rouges, j'ai mes notes pour le vlog, puis j'ai des notes pour l'activité, là. Pour moi, je manquais de feuilles assez vite, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, tu sais, c'était vraiment des questions. Après, bon, pourquoi qu'on choisit le chemin de la Wicca? Est-ce que moi, j'avais choisi le principe du 365 jours de rituel. Là. Je me suis fait avoir là-dessus. Bon, qu'est-ce que c'est on vous, si vous aviez eu des pratiques avant, qu'est-ce que c'était? Est-ce qu'elle a une influence sur comment vous allez voir la Wicca? Les peurs et les espoirs.
Après discussion aussi avec mon conjoint, donc il a aimé le côté relaxation. Il se sent pas impacté religieusement. Donc pour lui, quand ça sort un peu de la méditation, parce que le phénomène de transe avec une chandelle reste là, l'espèce de méditation, mais juste là. Si ça dépasse pas ça, il est correct. Si ça dépasse ça, il sent que ça devient un peu trop fictionnel pour lui. Donc c'est à voir. Comme je dis, c'est l'avantage d'avoir un sceptique avec moi. Il fait une activité avec toute sa concentration pareille. Il se donne son activité, mais j'ai quand même un avis externe. Je trouve ça intéressant. Ça se peut qu'il y ait des activités qui fassent comme non, 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 mais je pense pour lui. Tout de même, c'est quand même positif pour lui aussi. Pareil, pour l'instant, là, j'ai pas grand négatif à dire de cette activité-là. Je pense que moi, je vais aller chercher peut-être plus le côté pratiquant, parce que il y a beaucoup de choses que je sais. Je suis plus théoricienne que pratiquante sur beaucoup de niveaux, au niveau de la sorcellerie. Mais je pense que de kicker à faire des activités et à prendre le temps pour soi, ça va être quelque chose de bénéfique au long. Au final, c'est juste que là, je suis comme pas habituée. Il y a beaucoup de changements en même temps, mais je suis pas habituée. Donc, en gros, si on résume, cette semaine, super bien été, beau début. Je vais probablement faire ce vlog-là une fois semaine. Ben là, ça va être du dimanche au samedi. Parce qu'il faut que tout j'organise là, mes calculs de minutes, puis tout ça, pour être sûr de vous donner des résultats qui sont quand même proches de la réalité. Je vais pouvoir aussi vous donner comme un aperçu quand même assez rapide. Si jamais vous faites des efforts, vous aussi, embarquez, commentez, on va se soutenir, là. Si vous faites des activités qui avaient fait, dites-moi, ça, on va essayer de se compétitionner entre nous. On va se faire du fun. Mais sinon, en gros, c'est ce que je veux faire. Donc, je vous donne vraiment un aperçu. Je pourrais vous mettre la photo, au moins du livre, là, à quelque part sur le Discord. Au moins que vous sachiez si jamais ça vous intéresse. Comme je vous dis, je ne l'ai pas vu en français. S'il y a quelqu'un qui l'a vu en français sur Amazon, allez-y. Sinon, ça devrait être ça. Fait que j'espère que ça vous donne une petite idée de qu'est-ce que c'est le blog, qu'est-ce qu'on vous apporte. J'espère que vous allez aimer ça. Merci. Bye!